Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 16 janvier de la première semaine du temps ordinaire. Je me présente devant toi, Seigneur, avec tout ce que je suis. Donne-moi d'être touché par ta rencontre avec ce lépreux. Donne-moi de mieux te connaître intérieurement. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Humblement, nous venons à toi. Nous t'offrons nos vies, que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Humblement, nous venons. La communauté de l'Emmanuel chante Humblement, nous venons à toi. Avec eux, je fais de ma vie une offrande au début de cette prière. Que nos cœurs s'unissent à ta croix, par ce dont tu nous guéris. Voici offert ce pain. La lecture de ce jour est tirée du chapitre 1er de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Dans ce passage, nous sommes toujours au début de la vie publique de Jésus. Il commence par « En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus » et se termine par « De partout cependant, on venait à lui. » Qu'on le veuille ou non, Jésus attire à lui, les exclus de la société comme tous les autres. Je contemple cela.
Saisi de compassion, Jésus étendit la main. Contre toutes les règles d'hygiène, à l'encontre des règles sociales, Jésus prit de compassion, n'étend pas seulement la main, mais touche le lépreux. Qu'est-ce qui le remue ainsi? Il se risque pleinement. Quelle liberté! Le lépreux a la conviction profonde que Jésus peut le guérir. Il sait que Jésus en a les moyens. Et pourtant, Jésus n'use pas de son pouvoir pour s'imposer. Au contraire, il demande au lépreux de simplement faire constater sa guérison par les prêtres. Je me laisse interroger par cette attitude de Jésus. En réécoutant ce passage, je me rends attentif aux divers sentiments par lesquels passe le lépreux. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. À la fin de ce temps de méditation, je parle à Jésus de ce qui m'habite. Je peux lui présenter telle ou telle partie de ma vie qui me semble avoir besoin de son aide pour guérir. Oui, il peut me purifier. À moi de lui demander. Thank you.
Seigneur, et reçois toute ma liberté. Ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai possède, c'est toi qui me l'as donné. À toi, Seigneur, je le rends, tout est à toi. Dispose-en selon ton entière volonté. Donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi mon Dieu, mon Seigneur, chemin pour sauver mon âme. Je suis créé pour te louer, te respecter et te servir. Toi mon Dieu, Seigneur, chemin pour sauver mon âme. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.